Bonjour à tous. Avec l'aide de Dieu, nous avons étudié une sikhah que le Rabbi a dit la deuxième nuit de Pessar 5718-1958. Cette sikhah a été corrigée par le Rabbi et se trouve dans la Osafa de Likute Sichot volume 3. Seif Yud gimel et Yud Dalet, on va étudier, paragraphes 13 et 14. Le Rabbi s'arrête sur des mots qui sont dits dans la Agada des mots du chumash qu'on peut retrouver dans la paracha de l'Echlecha lors du brit ben amentarim lorsque Dieu il a fait l'alliance avec Avram Avinu va yomer le Avram Dieu a dit Avram yadoa teda »« sache bien ki ger yezaracha que ta descendance sera étrangère be'eretz lolem dans une terre qui n'est pas la leur va vadum ils vont les asservir veinu otam ils vont les opprimer Arba shana pendant quatre cents ans etc et après Dieu dit V'achèchen De l'après, ils vont sortir avec une grande richesse. À ce sujet, il est dit dans le Midrash que Dieu a dit à Avram Avinu, lui a proposé, qu'est-ce que tu veux pour ta descendance? Est-ce que tu veux qu'ils vont avoir le guéinum ou bien ils vont avoir malchuyot qui vont aller parmi les nations, donc être soumis à des nations? Et Avram Avinu a choisi que le peuple juif va être étranger quelque part, va être parmi les nations. Le rabbi précédent a demandé « Comment est-ce possible qu'Avram Avinu a fait un tel choix pour nous ?» Avram Avinu, c'est le Tachrit c'est quelqu'un de très très bon, de... un bon cœur, de bien. À tel point, on retrouve que même pour Yishmael, il a trouvé un srout, il a trouvé quelque chose de bien pour lui. Il a demandé à Hachem « Louis Yishmael, Yelefanech, à que Yishmael vive devant toi. » Il s'agit ici d'Avram Avinu. Les notions d'Avram, qu'est-ce que ça veut dire vivre Les notions d'Avram, qu'est-ce que ça veut dire devant toi, devant un Kadoshbaocho Il a trouvé un sroot, un mérite pour Ishmaël. Comment ça se fait qu'il n'a pas trouvé un mérite pour le peuple juif En plus, c'était avant le don de la Torah. Et ce n'était pas tellement noguéa, tellement important la notion des fautes. Il aurait dû dire à Hachem, rien du tout, ni l'enfer, ni les nations pour ma descendance. Pourquoi il a choisi qu'ils vont aller parmi les nations alors, la Bible précédente a dit, Dieu a déjà répondu à cette question à Abraham Avino en disant qu'ils vont être étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. Car, si on réfléchit, le verset a priori a l'air redondant. Il dit ta descendance va être étrangère. Si la descendance va être étrangère, automatiquement, on comprend que c'est « et que c'est dans une terre qui n'est pas la leur, parce que quand on dit « guerre »,« étranger », ça veut dire que quelqu'un il habite dans une terre qui n'est pas la sienne. Pourquoi Dieu a besoin de dire « ils vont être étrangers dans une terre qui n'est pas la leur »?« et pourquoi ces mots-là Justement, le ravi précédent dit « Akadosh Baruch Hu » fait ici une allusion, en disant ces paroles redondantes, il est en train de dire « Avram Avinu »« Hob n'aie pas peur » Ça que Guerillas ça que ta descendance, elle doit être étrangère quelque part. C'est ce c'est pas pour eux, c'est pas parce qu'ils ont des fautes et qu'ils doivent nettoyer ces fautes, mais c'est pour élever les étincelles divines qui se trouvent dans cette terre, en l'occurrence qui se trouve en Égypte. Juste pour expliquer la notion de birurim qu'on retrouve dans la Kabbalah, dans la Chassidut borer, qui veut dire trier. Dans chaque chose matérielle, il y a la partie positive et la partie négative. La partie dans laquelle il y a la divinité et l'autre dans laquelle la divinité n'est pas dans le sens positif là-bas. Eh bien, le travail du Juif, c'est de prendre cette matière et de l'élever à Kadosh ou ce qu'on appelle élever, raffiner les étincelles divines, faire le birur borer, trier et mettre chaque chose à sa place. Donc, basé sur cela, l'expression de « va vadum ve'inu otam » qui veut dire que les Égyptiens vont asservir les Juifs, que les Égyptiens vont opprimer le peuple juif, maintenant on prend un autre sens. Quand on dit « va'avadum ve'inu otam », il ne s'agit pas ici que c'est les Égyptiens qui vont faire travailler les Juifs c'est les juifs qui vont faire travailler les égyptiens. Et quand on dit ve'inu otam, qui vont les opprimer, c'est pas traduire dans le sens littéral de ve'inu de inouï de ta'anit, de mortification, d'opprimé, mais dans l'expression de ve'inu, dans le sens de anime de pauvre, que le peuple juif va faire, que les Égyptiens ve'inu, ils vont les rendre au tam pauvres, ils vont les rendre pauvres. Pourquoi Parce qu'ils vont prendre tous les étincelles divines qu'il y a là-bas. Et comme il est écrit en effet que lorsque le peuple juif est sorti des Égyptes, va yenat sruet le peuple juif a dépouillé l'Égypte, Et comme dans le Talmud, il est dit que le peuple juif a fait de l'Égypte comme les profondeurs de la mer, dans lesquelles il n'y a plus de poissons. L'expression de Natsu, de Metsula, qui veut dire la profondeur de la mer, dans lesquelles il n'y a plus de poissons, ils ont tout vidé. Et kimtsuda l'expression de Vayen Natsu, qui veut dire dépouillé, qui va se traduire comme s'il si y avait écrit un Dalet. Donc Metsuda, donc ils ont... C'est comme un piège à oiseaux dans lequel il n'y a plus de dagan, dans lequel il n'y a plus de céréales. Ils ont tout pris ce qu'il y avait en Égypte dans le sens profond. C'est qu'ils ont pris toutes les étincelles divines qu'il y avait en Égypte. Ils ont vidé, dépouillé l'Égypte de toute la richesse spirituelle des étincelles divines qu'il y avait là-bas, qui se trouvaient dans la matière d'Égypte. Et donc, l'explication qu'après ils vont sortir avec une grande richesse. C'est quoi cette grande richesse C'est la richesse des étincelles divines qu'ils ont pris, qu'ils ont dépouillé, qu'ils ont enlevé de l'Égypte. Alors, rabbi nous dit, de la même manière, c'était en exil égyptienne, que la raison essentielle pourquoi ils étaient là-bas, ce n'était pas pour pardonner des fautes, mais c'était pour élever les étincelles divines qui se trouvent dans la matière. La même manière aussi en ce qui concerne notre exil, la dernier exil dans lequel on se trouve. L'essentielle raison pourquoi on se trouve en exil n'est pas une punition pour des fautes, mais c'est pour raffiner, élever les étincelles divines. Et basé sur ça, le Rabi conclut qu'on comprend ce que nos sages disent dans le Midrash. Dieu dit, un de vous va être exilé dans un endroit qui s'appelle Barbaria, un autre va être exilé dans un endroit qui s'appelle Samadria. Et par cela, je considère comme si vous avez tous été exilés. A priori, c'est incompréhensible. Comment est-ce possible que l'exil d'une personne va pouvoir pardonner les fautes de tout le peuple juif mais le rabbin nous dit, non, 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 la raison de l'exil n'est pas pour le pardon des fautes. En tout cas, le rabbi, c'est ce n'est pas la raison essentielle de l'exil. Mais la raison essentielle de l'exil, c'est quoi C'est pour élever les étincelles divines. Alors, on peut comprendre, parce que lorsqu'il y a une personne qui va dans un pays et il fait beaucoup d'efforts et achève le fait qu'il va réussir d'élever toutes les étincelles divines que se trouvent dans cet endroit-là, eh bien, il concrétise la volonté d'Akadosh Baruch ou pourquoi on va en exil pour élever la matière qui est là-bas. Cette personne a même été seule, mais il a préparé donc tout le pays pour la venue de Machiach, le pays dans lequel il a été exilé. Et par cela, donc, il dévoile le rouge Gadol, la grande richesse des étincelles divines. Le mot Gadol fait référence aussi à Gadol à au Moulal, mais que Dieu est grand et très louable. Alors, on comprend que la raison pour qu'on se trouve en exil de nos jours, c'est pour élever des étincelles divines, prendre la matière, l'élever à kadosh on va tous ensemble faire un très bon travail partout où on se trouve pour faire une dira et une demeure à Dieu ici-bas, de manière que très prochainement on va voir comment Hachem, y règne sur toute la terre dans tous les endroits qu'on aura fini d'élever entièrement très prochainement avec la venue de ma ou Pessar, Kacher, et sa mère.